Hey les gens, c'est Skywhite et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dead Cells. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais envie de jouer à jeu et je pouvais pas parce que j'avais d'autres let's play à faire, et du coup j'ai pu apprendre tous les DLC et pouvoir jouer à jeu. Donc ça va être la première vidéo sur ce let's play. Alors j'avais déjà joué un petit peu avant et j'ai joué un petit peu entre temps histoire d'être sûr de reprendre un petit peu la main, puisque c'est un jeu un petit peu compliqué quand même, ce qui ça va être assez intéressant je pense. Donc on va directement pouvoir lancer une partie en mode normal évidemment, en espérant évidemment que cette vidéo vous plaise. Il est un petit peu tard, hein, il est minuit 30, donc je pense que je vais jouer, on va voir une run, hein, bien que ça dure à peu près une heure. Pas le prisonnier décapité. Vous avez perdu votre langue. Oh oui, pardon, vous n'avez plus de langue. Ça va être très étrange de revenir entre les morts. Remarquez, non. Ok. Alors ici, on a plusieurs choix. Un bouclier ou un arc. Le bouclier absorbe 75% de dégâts. L'arc, des DPS. On va prendre évidemment l'arc. Ouais, attendez, c'est un petit peu trop fort, c'est que j'ai eu peur. Je vais remettre ça à 50%, même à 45. Ok. Là, normalement, du coup, j'ai déjà. Je m'y connais pas des masses, mais on a déjà une vitesse qui est quand même correcte. C'est un jeu qui est assez sympa quand même, c'est un Die to Retry, j'ai envie de dire. Ok. Faut quand même être assez attentif. Alors, un dague jumelle, 180 points de dégâts, 40% de dégâts sur les cibles électrifiées, troisième coup est un coup critique. Ok. Très bien. Alors, comment je peux monter en haut? Ok. Alors là on a le choix évidemment entre trois améliorations qui vont augmenter en gros les dégâts et les PV. Ce qui va être intéressant pour nous, ça va être d'augmenter ça évidemment pour. C'est un jeu qui est quand même assez compliqué, même si là on est quand même assez à l'aise pour le moment. Ok. Je sais pas comment ça marche ce petit pouce de vitesse. Ok.
Qu'est-ce qu'il vous faut? Ok, tout est à vendre. L'objectif en fait c'est d'aller plus loin la première run et en fait bah, après recommencer les runs évidemment au fur et à mesure quoi. Hop. Deux minutes. C'est quand même dommage. Alors on a des bonus quand on fait ça. Congélation, talisman rubide, il y a celui-là. Alors, regardez qui voilà. On m'appelle le collecteur. Je suis ce qui se rapproche le plus d'un type fréquentable d'ici-bas. En échange des cellules trouvées sur les ennemis, je peux t'obtenir quelques petites choses utiles. Des schémas, je te donnerai accès à des objets plus expérimentaux. Ok. Chaque coup touchant un ennemi continue notre mort en montant des dégâts infligés quand vous expirez en prison. Sauve une fois en cas de décès prématuré, ce n'est pas moyen. Pour une première run, je pense que ça peut être sympa d'avoir une. Une vie. Tout ça pour ça fait chier quand même. Ok. Faut pas troll quoi. Ça c'est bien mais je vais le garder. Peur de me faire toucher et du coup des flèches c'est quand même pratique.
Ok. J'ai les ennemis devant vous, aucun dégât, c'est suffit de j'ai 80% sont rien, 20% en fait. Alors fais voir un peu. Je vais pas trop faire le fou là. Putain. Chose qui arrive évidemment, pas tout le temps. Un peu d'ail. Ok. Arc à multiple en coche. Grenade d'infanterie. Pas mal, on a quand même. J'aime bien cette toile, moi. Statue du roi de l'île. Comment fait-il pour avoir quelque chose avec ce casque?
Chier, putain. Quand même pas de chance qu'à chaque fois que je suis bien. Et ça, je me dis, il doit y avoir des pouvoirs. C'est là où je me dis, bon, c'est un délire, il travaille. C'est pas non plus la lynx du siècle. C'est que là je faisais des dégâts supplémentaires pour les personnes que je freeze. C'est ballon hein, quand même, là j'aurais pu déglinguer tout le monde sans avoir été touché une seule fois. Au final j'ai quand même pas mal troll quoi, c'est comme ça. Chance pas. C'est pratique.
Ok. Nouveau biome. C'est que je puisse faire des dégâts en plus pour les ennemis. Alors, 57 DPS, sans une grenade à la saison, en tout cas, c'est super. Bah non, il est moins bien. C'est gentil, mais moins bien. Ouais, ce qu'il faudrait c'est qu'en fait quand je les gèle, je fasse des dégâts en plus quoi. Alors que là c'est quand ils sont empoisonnés, alors c'est bien quand ils sont empoisonnés hein. Là, je vais rien faire mais je vais garder mon argent pour le moment mais ah, fait chier. C'est pas grave, mais c'est chiant. Je sais pas à quoi ça sert ça.
qui est une jeune femme. Détenue 6541, elle tient quelque chose de ça dans ses poings. Esquiver, poser une bombe, 33 de dégâts. On reprend ça évidemment, parce qu'en fait à chaque fois ça augmente nos dégâts, ce qui fait que nos attaques font de plus en plus mal, et les objets qu'on trouve sont de plus en plus intéressants. Donc en fait à la fin on a un truc qui est sympa quoi. Putain ouais. Il est suivi moins 5%, les attaques plombent. Putain, il a... de soins, ça c'est bien. Alors thank you.
se faire. Hein, je... Alors, 880, ce qui est quand même mieux, tire une flèche dans le haut, les victimes brûlent en mourant, ok. Bah ouais, il est quand même mieux. Hop, hop, hop. Ouais, tire une flèche vers le haut, ok, bon, pourquoi pas. Un peu deg d'avoir pris un de dégâts à un moment. Salut gamin. Ok. Ok. Bah c'est avec le collecteur à côté. Donc si t'as des cellules, je peux améliorer ton équipement. Putain, 500. Ouais. Là, ça les améliore de façon permanente quoi, donc y'a quand même un intérêt à le faire. Des brumes. C'est bon, j'ai le temple brisé.
matin, parce que là j'ai beaucoup de trucs à faire. Beaucoup de trucs à faire, faut que j'aille partout un peu, j'ai l'impression d'être un peu perdu. C'est de bien comprendre où je dois aller, etc. Alors, attends. Talisman. Deux sauts supplémentaires dans les airs, les attaques plongeantes couvrent le feu d'huile d'enflammable. Ok. En vrai. C'est quand même mieux, quoi. C'est sympa, c'est un bel objet, mais par contre... pas complètement à l'aise là, donc je vais chercher doucement. Hop. Ça crève. J'en mange vraiment ça. Ok, à manger, bon, pourquoi pas. Je pourrais revenir si je perds un peu trop de vie. J'aime vraiment bien ce truc là, ça glace bien comme il faut. J'aime beaucoup. Si ça. Putain, ça tabasse bien. Ça.
Voir un peu si je check là ce qu'il me dit, ok. Waouh! Ok, chef cuistot. C'est surprenant, ouais, le truc là qui tombe. Je vais juste aller vendre un petit peu tout ce que j'ai récupéré, histoire de me faire un peu d'argent. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse améliorer un peu mes armes, quoi. Notamment le givre, qui est très très bon. Le problème, c'est que les avantissages sont un peu nuls. Là, j'aimerais bien avoir un truc pour le feu, quoi, qui soit un peu plus utile, en fait. Parce que là, les gars, en plus, quand t'es empoisonné, vu que j'empoisonne pas... Ah. Je vais y penser évidemment. Hop là. Je les dépense parce que si je meurs, je sais pas comment ça passe. Et toi là? Je bosse pour le forgeron, je peux te... Ok, donc là... J'augmente un peu la qualité. La quali...
là c'est pas mal. Empoisonne l'ennemi, puis t'as tout le reste qui fait des dégâts sur les ennemis empoisonnés. Je pense qu'on est pas trop mal. Ok. Ça, on en prend bien bien de dégâts. Ça, je vends. Pas. Hop.
Attends, est-ce que j'ai raté quelque chose? Alors, merde. Oh. Thank you.
Ok. On est là, on continue notre partie, on est pas trop mal. Ah, j'aime beaucoup ce truc de glace là, je trouve que ça fait vraiment le travail. J'ai rien à dire, on a vraiment bon. C'est un boss, je suppose, ouais. Ok, là on est bon. J'essaie d'avoir des meilleures armes au départ, ce qui me permettra quand même d'être plus à l'aise. Château des Houssim, ok. Alors. Dégâts quand même, hein, ça change. Ça c'est marrant parce que là on a une level 4++, il a une level 8 et c'est plus ou moins pareil quoi. Alors qu'ici on voit quand même bien la différence entre une level 8 et une level 2+, quoi. Je la prends. Je la prends. Surtout que ça a un gros combo sur les ennemis gelés. Hop, hop.
que moi je suis complètement perdu là. J'aimerais juste un truc qui revive ma vie là, ce serait OP hein, ouais. Thank you.
On va voir le boss, mais les boss me font quand même peur, hein, parce que je veux dire... C'est chiant ça, je peux pas le monter, c'est un peu relou. Par contre faut s'accrocher hein, c'est pas... C'est pas facile facile cette merde. Hop, je vais boire ça parce que j'ai un peu peur. D'argent. Là. Là, on est quand même pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Bouclier, je suis pas un grand fan de bouclier perso. Ça, c'est vraiment moi de mon côté. Hop, on va augmenter la qualité de ça évidemment. J'ai pas envie d'améliorer ça plus en fait. Parce que là on a quand même...
Aïe. Ça va être sympa, mais je vais faire ça. Donc en fait les portes c'est pour des cibles de boss. Wow. D'accord. Bon. Bah, je m'attendais pas à terminer le jeu en un coup. Bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Après, il me semble que c'est un... Je vais devoir tester les DLC, il y a d'autres maps à jouer, etc. Donc je pense que ça va pas se terminer... Là-dessus, hein, on voit que je terminais d'une traite le premier boss, donc cool. Après, je pense qu'il y a, voilà, il y a d'autres niveaux à faire, etc. Puis je vais pas me lasser tout de suite, tout de suite. Mais c'est plutôt cool, hein. C'est un jeu quand même assez intuitif. C'est pour ça que je parle pas beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de gameplay. Il faut se concentrer, c'est assez chaud quand même, par moment. Après, en fait, il y a des synergies qu'on peut faire qui sont quand même assez sympas. Là, le truc pour glacer, je trouve qu'on glace, on tabasse, après, c'est assez cool. Il y aura d'autres trucs sympas, je pense, mais... Évidemment, on va laisser défiler les crédits. Peut-être pas pour les prochains, évidemment, pour les prochaines fois, mais vu que c'est une première run pour moi, on est quand même plutôt bon, quoi. C'est quand même un jeu assez sympa que j'avais envie de faire depuis quand même longtemps, quoi. Après, ça, du coup, ça va juste dépendre. Sauf que maintenant, je vais pouvoir commencer avec une arme aléatoire et un arc aléatoire. Qui, du coup, je pense que ça sera un petit peu mieux que ce qu'on peut avoir éventuellement de base. Ça, ça fait quand même plaisir, quoi. En tout cas, j'espère que cette petite... pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'espère que ça vous plaît. J'ai peut-être mis 1h30 à le faire, cette petite partie.
C'est quand même très. C'est quand même très sympa, je m'attendais pas quand même à le terminer d'une traite. Hein. Après, je dois avoir un bon combo et le garder, etc. Dès que j'ai vu qu'on avait un truc qui se passait plutôt bien, tu le gardes de toute façon. Je suis sûr qu'on peut faire des synergies assez sympas. Donc, c'est un jeu, c'est quand même un pixel art qui est quand même assez sympa. Hein. Je dis beaucoup le mot assez sympa, mais je veux dire avec une musique qui est quand même très agréable. Un pixel art visuellement parlant qui est assez. Visuellement qui est vraiment. J'allais dire qui est assez sympa, qui est très atypique, c'est assez agréable. On change le assez sympa par assez agréable. Le problème c'est que je viens de le finir d'une traite, donc je peux pas vraiment mettre une note particulière sur ce jeu, puisque là je lui mettrai un bon. Je pense que je lui mettrai autour de 14 et 16 pour le moment. Mais le problème c'est qu'une traite ça fait qu'il est peut-être trop simple. Alors je pense pas qu'il est trop simple, hein, je pense que c'est plus ou moins fait exprès. Je pense que pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer un petit peu à des jeux comme ça. C'est. Voilà, j'avais lancé une petite game juste avant. Où je suis allé je crois jusque dans les marais, un truc comme ça, histoire de savoir comment bouger. Je suis pas parfaitement à l'aise encore une fois sur un petit peu tout ça, mais. Par contre je suis un peu surpris quand même. Parce que même si on finit le jeu, je veux dire. Sans être un connard, hein, mais si c'est ça le jeu, et qui, je pense qu'il y a d'autres difficultés, d'autres boss, etc. J'en suis persuadé, puisque j'ai des DLC, donc j'imagine. Mais je me dis. Après, tu dois avoir des modes de jeu, etc. Des armes à débloquer.
c'est marrant ça. Ça plus tard. Je sais ce que vous avez fait. Oui, je connais tous vos petits secrets et je consigne vos mémoires. C'est mon travail. Je trouve que je note. On va arrêter là. On arrête la vidéo ici. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment kiffé la faire avec vous. Et tout simplement, d'ici dans une prochaine vidéo. Bye.